Bonjour et bienvenue dans la Print Equipment Academy. Je vais vous montrer comment imprimer un t-shirt en coton noir avec l'imprimante Hoki et le toner blanc, ainsi que les feuilles de transfert Forever Laser Dark No Cut et notre film à effet métallique. Pour ceci, nous avons besoin d'une presse à transfert, de nos feuilles de papier Forever Laser Dark No Cut, de deux feuilles Economy Matte Finish, d'un t-shirt en coton noir et bien sûr de notre film à effet métallique. Nous avons imprimé un motif vectorisé à partir de CorelDRAW. Le motif est complètement noir car le film argentique colle beaucoup mieux sur du toner noir. Dans un premier temps, nous allons presser la feuille A avec la feuille B afin de mettre la colle sur la feuille de transfert que nous allons placer sur notre t-shirt plus tard. Donc je place ma feuille A sur la plaque de travail. Je place ma feuille B avec la colle sur la feuille A. La feuille B est un peu plus petite que la feuille A. Nous allons recouvrir le tout avec notre première feuille Economy Matte Finish afin d'éviter les restes de colle sur la plaque de travail. Nous pressons le tout pendant 150 degrés et 90 secondes. Avec une pression moyenne, la presse devrait se laisser fermer avec facilité. Si vous possédez une presse automatique, nous vous conseillons de retenir la poignée lors de l'ouverture pour éviter que la feuille de transfert ne se soulève et ne perde trop de chaleur. Donc, j'ouvre ma presse complètement, je retire le papier sulfurisé et je sépare les deux feuilles à chaud. La colle du papier B va rester collée simplement au toner noir et partout où il n'y avait pas de toner, la colle ne restait pas collée. Nous avons maintenant notre feuille de transfert A que nous pouvons enfin transférer sur notre t-shirt. Il est possible que vous ayez une ligne de colle blanche sur la feuille A. Veuillez découper celle-ci afin d'éviter d'avoir ces lignes de colle sur votre t-shirt lors de la prochaine étape. Pour ceci, utilisez une paire de ciseaux ou un cutter et découpez simplement autour du motif afin de retirer ces lignes de colle blanches. Notre feuille est maintenant prête à être transférée sur notre t-shirt. Nous prenons notre t-shirt noir, le positionnons sur notre presse à transfert. Prenons notre feuille à transfert et plaçons-la sur le t-shirt directement. Nous pressons le tout à 150 degrés pendant 30 secondes. Au bout des 30 secondes, ouvrez votre presse, prenez votre t-shirt avec précaution et reposez-le sur une surface froide. Faites bien attention à ce que la feuille de transfert ne se soulève pas lorsque vous descendez le t-shirt de la presse. Pour éviter ceci, il est aussi possible d'utiliser l'autre scotch thermorésistant afin de fixer l'impression et éviter que la feuille ne se lève lors de l'ouverture de la presse. Une fois que le t-shirt est refroidi, vous pouvez maintenant retirer le film transfert. Pour ceci, placez-le à plat sur une table. Prenez un coin et déroulez la feuille de transfert avec, comme ceci, avec le creux de la main. Notre t-shirt est maintenant prêt à être embelli avec notre film à effet métallique. Pour ceci, prenez un morceau de votre film à effet métallique, dans notre cas de couleur argent. Recouvrez votre motif totalement avec le film métallique. Prenez une feuille de papier sulfurisé et recouvrez le tout. Vous pressez le tout pendant 155 degrés et 45 secondes. Sur les presses automatiques, veuillez retenir la poignée lors de l'ouverture afin d'éviter que le film ne se soulève du t-shirt. Ouvrez votre presse, retirez votre papier sulfurisé et retirez doucement le t-shirt de votre plaque de travail. Laissez-le refroidir et une fois que le textile est complètement refroidi, vous pouvez retirer le film à effet métallique. Une fois que le textile est refroidi, vous pouvez maintenant retirer le film à effet métallique. Et voici notre t-shirt qui est maintenant fini et avec un superbe effet métallique et brillant.
Nous préconisons de ne pas laver au-dessus de 40 degrés, de toujours laver à l'envers, d'éviter les assouplissants et le sèche-linge. Vous retrouverez plus d'informations sur notre site www.printequipement.fr et à vous de jouer et à bientôt.